PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Vic. Bonsoir. 35e journée de Ligue 1 Conforama. Retour de Cavani sur la feuille des titulaires. Comment l'as-tu trouvé ce soir? J'ai trouvé un peu discret, un peu sevré de ballon en première période. Il a pas fait un très grand match, je vais dire, mais bon. Ça se voit qu'il n'est pas encore en forme après sa blessure. Je pense que cet été, je pense qu'il va partir. Après, on verra, mais ça reste Cavani, le meilleur buteur du club, et on le soutiendra toujours. D'accord. On a commencé donc cette rencontre assez bien, avec une équipe niçoise bien en place, avec des attaquants très bons, je pense à Saint-Maximin par exemple. Comment as-tu trouvé ce milieu de terrain avec Verratti et Draxler? Bah, ils ont bien joué, surtout Verratti, qui est, on va dire, un peu le seul de l'équipe du PSG cette saison qui est régulier à tous les matchs, on va dire. Après, Draxler, il a plus joué à droite. J'ai pas trop compris un peu le placement des joueurs sur ce match. Mais bon, Verratti est super bon. Et voilà. Pourquoi, selon toi, on bute une nouvelle fois en Ligue 1, donc on ne gagne pas? Donc on reste invaincu dans cette tente du Parc des Princes, certes, mais la victoire, on l'attend. Bah, parce qu'en fait, ils s'en foutent tout simplement. Ils jouent plus, en fait. Ils veulent plus. Ils ont plus la rage de gagner comme au début de saison. Ils laissent. Là, il y a le pénalty à la fin, malheureusement raté par Cavani. Mais voilà, je sais pas, en fait. Je reconnais pas mon équipe. Est-ce que tu penses qu'il y a certains joueurs qui ne sont tout simplement plus au niveau pour le Paris Saint-Germain? Après, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs un peu qui lâchent un peu l'affaire sur cette fin de saison. Il y a Draxler aussi qui montre un comportement pas très. Enfin voilà. Après, tu penses que c'est une question mentale, donc de comportement seulement, ou de tout simplement de football? J'avais pas de football, parce que c'est des grands joueurs quand même, on va dire, très techniques. Mais c'est vrai que c'est une question de mental, ils ont pas le mental. Et voilà. D'accord, est-ce que t'as un dernier mot à rajouter? Il reste 3 matchs de Ligue 1 Conforama. Ouais, j'espère qu'ils vont quand même, sur ces 3 derniers matchs, gagner tout simplement, qu'ils nous fassent un peu honneur sur cette saison. Parce qu'on a des supporters vraiment exceptionnels à tous les matchs. Du coup, j'espère qu'ils vont mouiller le maillot et qu'on va bien terminer cette fin de saison, le mérite, et passer à une nouvelle saison l'année prochaine. Plein de trophées et plein de joie. Et plein de trophées, ouais, voilà. Merci à toi. Merci. Allez, Paris.